Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire, pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour, rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, par cet exemple, nous indique le chemin pour recevoir le message de Dieu. Ce message, il est semblable à cette lumière. Rien ne peut la cacher. Elle est envoyée pour être donnée et diffusée aux hommes. Celui qui la reçoit ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir connue, de l'ignorer. Il doit vivre avec cette lumière, une lumière qui le guide sur le chemin de la vie. Accueillir la parole de Dieu et essayer de vivre en se tournant vers les ténèbres, cela revient à avoir, mais à perdre par la suite. Perdre ce salut que Jésus nous offre, perdre cette miséricorde que Dieu désire tant nous offrir. À nous de recevoir cette lumière, de vivre avec elle, par elle, afin qu'elle nous fasse grandir et nous montre le chemin du royaume de Dieu. Amen.